on est le vendredi 11 juin et il est 21h pile poil. J'ai fait les courses ce soir, je suis rentrée, j'y suis allée avec mon fils. Il était 19h, 19h30 quand on est rentré. Le temps de manger et le temps que le petit soit couché, il est 21h. Donc c'est une première pour moi de faire une vidéo le soir. Je suis fatiguée, mais on va y arriver. Donc là, forcément, vous avez la lumière du séjour. Vous allez avoir la lumière de la cuisine. J'espère que ça va bien rendre. Donc c'est parti, on va regarder le retour de course Leclerc et Lidl. Donc ici, on a un filet de 5 kg de pommes de terre, un concombre, 1 kg de tomates, 1 kg d'oignons, 2 kg de pommes golden, 1 kg de carottes. Ici, on avait 5 baguettes, on en a mangé une ce soir. J'ai pris ensuite deux comme ça spécial sandwich. Donc c'est ceux que je prenais avant, hein, qui sont très bons, le pain de mie au Lidl. Donc j'en ai pris deux comme ça. On a ici 4 pains maxi pour les, voilà, pour les burgers. Là, 20 tranches croque et mental, voilà, on en a 20 de barre père. 1 kg de torsade, 1 kg de coquillettes et 1 kg de spaghettis. Ensuite, on a 6 tranches de blanc de poulet, donc sans sel nitrité. On a 2 fois 10 tranches de jambon. Un coulommier, d'habitude on en a 2, mais il m'en reste 1. Et pour changer un peu, j'ai envie moi de changer un peu et de prendre un peu à pâte dure comme ça. Donc ça serait plus pour moi. Et comme il reste un coulommier plus celui-ci, il y en a largement assez pour mon mari et mes enfants. Ensuite, j'ai pris un emmental comme ça, donc c'est pour les pâtes surtout. Et ici, des knacks par 20. J'ai ici 16 pots, donc avec morceaux, non, ah si, en morceaux de fruits. C'est mon fils qui l'a choisi, du coup. Je lui ai dit de choisir soit avec morceaux ou sans morceaux, et du coup, il a pris avec les morceaux. Ensuite, ça, c'est pour mon mari. Bon, c'est pas ses préférés, mais il les mange quand même. Pour lui, il trouve qu'il y a trop de fraises. Mais quand je regarde, en fait, il a dû confondre avec la framboise. Mais pour moi, il n'y a pas plus de fraises que dans les autres. Quand je dis les autres, c'est de la marque la laitière ou la marque Repère. Ensuite, ici, eh bien, 10 ultra moelleux au bœuf. Je suis essoufflée, mais c'est parce que je viens de sortir le congélateur. En fait, vous ne voyez pas, mais quand je fais mes retours de course, je pose tout sur mon plan de travail. Et comme je fais, vous voyez qu'il y a des petites coupures entre voilà, pour chaque image. Et quand j'arrive au moment du congèl, je les sors du congèl, je les replace ici. Et dès que j'ai fini, je les remets. Donc comme ça, je n'ai pas de rupture de froid. Ensuite, ici, donc je suis essoufflée. J'ai 1 kg de pilon de poulet. On a 1 kg de haute de cuisse de poulet. Et ici, j'ai même pas regardé, il fait 2,96 kg de rôti. Donc ça va être sur 2 repas le rôti. Mais bon, je vais vous l'expliquer après. On termine par ici avec 15 bâtonnets. Ça, c'était une mouche de Colin d'Alaska. On a ici 3 pizzas jambon fromage. Et ici, on a 2,5 kg de frites. Donc voilà. Pour le Lidl, j'en ai eu pour 30,80 € et le Leclerc 40,56 € pour un total de 71,36 €. Donc je suis toujours contente, hein, toujours pour le repas complet de la semaine. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose, mais avec ce qu'il y a, on va réussir à faire nos menus de la semaine. Et je vous dis ça de suite. On aura donc burger frites, bah, de toute façon je pense que ça vous l'avez compris, croque monsieur avec de la salade. Alors je voulais à la base acheter, il y avait normalement des promos sur le Leclerc et toutes les promos sur la viande que j'avais vues en prospectus, il y avait zéro, il n'y avait rien. Donc j'ai dû refaire dans le magasin, j'étais avec mon fils, il m'a aidé et on a réussi à trouver bah, du coup autre chose. C'est-à-dire qu'on devait avoir 2 repas avec 2 poulets parce qu'il y avait une promotion sur un lot de 2 poulets à 6,99 €, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, mon fils a vu le rôti à 6,90 €, donc même un peu moins cher. Et il m'a dit, on peut manger sur 2 repas.
Bravo mon fils, et c'est vrai. Donc du coup, on va avoir rôti avec pommes de terre, haricots. Donc les haricots verts, j'en ai dans le congélateur. Et on remangera donc le lendemain midi sûrement le rôti avec des pommes de terre et des carottes. On aura donc des os de cuisse de poulet avec une salade de riz, il y aura de la tomate, du concombre, j'ai encore du maïs. Les pilons de poulet que je vais faire avec mariner, voilà, on va mariner tout ça. J'ai même pas noté avec quoi je vais le faire, mais ça sera sûrement avec des pâtes. On aura pizza avec tomate et concombre, parce que le concombre, je vais en prendre qu'un morceau pour mettre dans la salade de riz, je ne vais pas tout mettre, donc je vais pouvoir refaire encore une salade avec de la tomate, je mettrai même peut-être des carottes, j'ai encore de la salade verte. On aura des pâtes avec du steak haché et on aura des pommes de terre sautées avec ail, de l'ail, du paprika, enfin des herbes, des herbes de Provence. Et on va faire ça avec des œufs sur le plat. Des œufs, ça y est, j'en ai acheté la semaine dernière et là, ça y est, elles commencent à pondre. On a un œuf par jour et là, ce soir, on en avait deux. Donc, il y a de l'espoir, elles commencent à pondre. Mais bon, il fait très chaud, donc c'est peut-être pour ça qu'elles pondent. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc dimanche pour vous. Moi, je vais essayer de faire la vidéo demain pour le retour du bilan de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.